Je vais vous expliquer dans cette vidéo eh bien, comment changer la langue de la plateforme et on va voir notamment comment télécharger un package de langues. Je vais prendre ici l'exemple par exemple de l'espagnol. Alors là, je vais aller sur l'administration du site et comme toujours pour ma part, hein, je vais faire une recherche directement. Je vais taper donc langue, rechercher. Et là, comme vous voyez ici, donc je vois que eh bien, pour l'instant, je suis sur la langue défaut donc en français. Mais je pourrais la changer par exemple en anglais si je le souhaite, mais voilà, par exemple, je ne peux pas, admettons, la mettre en espagnol, la plateforme. Pour cela, eh bien, je vais devoir télécharger des packages de langue. Donc, ici, j'ai un lien package de langue. Alors, pour information, hein, faut passer par l'administration, ensuite langue et ensuite package de langue. Donc, je clique directement sur ce lien. Ici, je vais avoir le choix, eh bien, entre quasiment toutes les langues possibles et imaginables. Et je vais dans mon cas eh bien, choisir eh bien, espagnol et je vais prendre espagnol international. Je clique sur installer le package et voilà donc qui est fait. Ensuite, si je reviens eh bien, dans la partie langue et que je souhaite par exemple faire en sorte que ce soit maintenant l'espagnol qui soit la langue par défaut, eh bien ici je choisis langue par défaut espagnol. Et je peux ensuite enregistrer les modifications. Dans mon cas, eh bien, je vais simplement conserver le français. Voici donc comment eh bien, installer un package de langue qui n'est pas présent par défaut donc, sur votre plateforme et comment définir cette langue comme étant la langue par défaut sur une plateforme Moodle.